Alors moi, je vais vous présenter mon coup de cœur bande dessinée adulte pour cette fin d'année. C'est une bande dessinée qui s'appelle Malgré tout, aux éditions d'Argo. Donc c'est une histoire d'amour. Donc si vous aimez les histoires d'amour, vous allez forcément aimer cette bande dessinée. Et elle est originale, cette bande dessinée, parce qu'on commence à la fin. Et elle est à rebours, c'est-à-dire qu'on va commencer par le chapitre 20. Et au chapitre 20, on va faire la connaissance. Chapitre 20, on va faire la connaissance des deux personnages de l'histoire qui sont Zeno et Anna. Et donc dans ce chapitre, ils ont une soixantaine d'années, ils sont à la retraite tous les deux et on comprend rapidement qu'ils s'aiment, mais on comprend aussi qu'ils n'ont pas été ensemble toute leur vie, qu'ils n'étaient pas un couple avant ce dernier chapitre. Donc pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie? Qu'est-ce qui a fait qu'ils n'étaient pas ensemble avant? Donc, on va l'apprendre en remontant l'histoire, donc une bande dessinée à rebours. Donc, à chaque fois, on va remonter dans leur vie, à tous les deux, pour comprendre le destin, ce qui a joué contre eux ou avec eux. Et voilà. Donc, c'est une bande dessinée qui est très jolie, c'est une romance, c'est une histoire d'amour. Les illustrations sont super sympas. Les couleurs aussi, parce qu'à chaque fois, on change un petit peu de couleur aussi selon les chapitres. Voilà, il y a des belles couleurs jaunes, ou après on passe sur du bleu, enfin voilà. Donc du coup, une très belle histoire à découvrir à la médiathèque. Et la petite dernière chose, c'est que la couverture est aussi très originale, parce qu'en fait, on voit le reflet du couple dans une flaque d'eau, avec les parapluies qui forment un cœur. Donc voilà, à découvrir à la médiathèque.